In memoriam, Pierre-Guillaume de Roux. L'homme d'une époque de dissolution qui mélange toutes les races, l'homme qui recèle dans son corps l'héritage d'une ascendance composite, autrement dit des instincts et des jugements de valeurs contradictoires, sinon plus, lesquels s'affrontent entre eux et le laissent rarement en repos. Cet homme des civilisations tardives et de la clarté déclinante sera en gros un individu plutôt débile. Nietzsche part de là le bien et le mal. Des quatre horizons barbares, techniques, jargon du commerce et du sport, ciné, sa bière universelle, de l'utile, les sauvages se ruent à l'assaut du français, comme des Turcs contre Byzance. Et dans Paris même, ils ont des alliés, tous les chefs du nombre, que la beauté offense, pour qui l'égalité se fait toujours au niveau le plus bas, et qui ont perdu le sens de leur génie propre en courant après l'absurde chimère d'une perfection commune à tous les hommes. Suarez, valeur. La ressemblance avec les démons que l'absence de christianisme confère positivement à la plupart des contemporains, riches ou pauvres. Blois, journal. L'intrusion massive des étrangers ne tue pas seulement une civilisation, mais aussi beaucoup de personnes. Jean Grosjean, lecture de l'Apocalypse. Paris bas-ventre. Le RER comme principe évacuateur du peuple français. Jenaguère fait partie d'un peuple qu'on appelait français et qui est à présent tout le contraire d'une nation. Orphelin par affaiblissement historique, sommé de tendre la joue aux gifles décoloniales, haïssant l'humanité mais non les individus, nous sommes encore quelques-uns à ne pas donner dans la blague d'un vivre ensemble où nous ne nous reconnaissons pas, nous autres, esprits libres, et à quoi nous opposons l'auto-exclusion, l'exception, un apartheid volontaire. Je ne fuis pas. L'altération profonde infligée au peuple français par le nombre migratoire me conduit à un retranchement spirituel et politique qui met en question les catégories d'identité et d'altérité. L'innombrable nie l'autre, tout comme la mondialité ruine l'universel au profit du même. Le même devenu un simulacre de peuple qui n'est identifiable que par le droit. Une civilisation faite des déchets de tous les autres n'est qu'une barbarie qui marche avec une pieuse fierté sous l'étendard du bien. Antidémocrate donc ? Après tout, c'est la démocratie athénienne et non l'aristocratie qui a condamné à mort Socrate, théoricien d'une cité gouvernée par des justes. La même fadeur démocratique nous bannissant d'une scène où règne ce que Socrate appelait les simulacres de la valeur morale et où le peuple français n'est plus présent à lui-même en ses récits immémoriaux. J'exagère ? Mais non. L'ennemi est partout et pas forcément les étrangers, les barbares étant surtout ceux qui se renient eux-mêmes par vertu mondialiste. Reste la question du nombre migratoire, qui est la plus grande catastrophe qui soit survenue depuis 1945. Comment accueillir ce nombre qui me dérobe autrui et tend à me nier devant ceux qui surgissent d'au-delà de la mer ? Dans la poussière des routes et la rumeur babélienne, où ils prennent le visage de la mauvaise conscience occidentale, laquelle les nie, en vérité, dans l'exploitation iconique qu'elle fait d'eux. De qui puis-je encore me dire le semblable, voire le frère, dans une époque envoûtée par des mots d'ordre planétaires qui font de toute existence un non-événement où les humains ne sont ni tout à fait des vivants, ni déjà des défunts. L'inversion générale des valeurs à l'œuvre,
en Occident. On concède à ces êtres flottants un kit existentiel dont la servitude volontaire est l'unique forme d'une volonté, d'une liberté, dont 4 siècles après la Boétie, Chestov rappelait que les hommes ne veulent pas, leur existence collective n'étant plus celle de nation, ni de pays, encore moins de patrie, mais l'anonyme et ubiquitaire communauté internationale, où l'humain se dérobe à lui-même dans la haine de tout enracinement. L'époque où, pour lutter contre le réchauffement climatique, on plante des millions d'arbres est aussi celle où on déracine des hommes par millions et où on rebaptise les invasions barbares en migration des peuples. En tant qu'abstraction idéologique et grammaticale, l'homme n'existe plus, entièrement soumis au programme politico-hygiéniste mondialiste. Il n'est plus qu'un abus syntaxique, le relief d'un poème pulvérisé. Pour dire, comme René Char, l'homme forgé par les Lumières et dont Joseph de Maistre peinait à trouver l'incarnation, a chu dans un arrière-monde dépourvu de frontières où le gender fluide rencontre le flux migratoire et où le phénomène humain se décline dans le sourcilleux relativisme d'un programme ethnique et sexuel qui nous oblige, nous autres, hommes des crépuscules, à refuser le faux jour que la météo idéologique déguise en saison sempiternellement ensoleillée. De l'avenir radieux du communisme, on est passé au côté Bora Bora de la moraline qui envahit les langues et les mœurs. Les pathologies du moi occidental laissant la place au triomphe d'un paradoxal narcissisme altruiste. Il se peut que la nouvelle figure du démon soit celle d'un logiciel dont les réseaux sociaux sont le modèle. L'innombrable y est à l'œuvre sous le nom générique d'internautes. Ces argonautes de l'insignifiance par quoi le prince de ce monde établit son empire. « Mon nom est Légion, répondit-il à Jésus. » Luc 8, 30. Innombrable, en effet. Les légions anonymes du web zélotent d'un bien dont la nature oscille entre le droit, le New Age et le cannabis culturel, mais toujours prompt à dénoncer l'hérétique. Les hallucinés rejoignent les imbéciles, les puritains les détraqués et les Greta Thunberg patho-sexuels les louves djihadistes. Les uns et les autres étalant leur pathologie sur la scène d'un crime général contre l'esprit. Comment vous croyez aux démons à l'ère de Steve, Jack, Bill, Jeff, Mark, Elon? Le diable n'est plus qu'un phénomène psychologique, un affect dont nous pouvons vous débarrasser, sur nos divans ou sur les réseaux sociaux. Vous aurez des potes partout. Venez à nos programmes bien-être, Trex intérieur, atelier d'écriture, stage de bien vieillir, séminaire de décolonisation sexuelle, journée solidaire. Ne voulez-vous donc pas être moderne ? Moderne ? Encore un mot d'ordre du pouvoir culturel. Préférons-lui l'inactuel, l'intempestif, réactionnaire ? Alors, pourquoi pas ? En un temps où le journalisme a tellement fait puer les mots que les procès sont joués d'avance et que, compte tenu de l'inversion, l'infamie vaut mieux que d'être un vertueux suppôt de Satan. Essayons autre chose. Continuons à chercher l'homme non pulvérisé au sein d'un peuple transitoire. Un récit, par exemple. Commençons-le dans Paris, ce soir, à la station du RER qui porte le beau nom de Port-Royal. À peu près inaudible dans un monde dominé par la multiplication d'hérésies, de mensonges et d'abominations qui rendent plus actuels que jamais les noms des villes maudites de l'Ancien Testament,
Babylone, Sodome, Gomorre, Jéricho, Babel. Nous y vivons encore et toujours sous le soleil du Baphomet et du coronavirus. Qui se souvient que dans cette station du RER, où l'on accède par une gloriette Art Nouveau, située en face de la closerie des Lilas, brasserie du même style où ne se joue plus rien de littéraire, dans un Paris muséifié et privé de mémoire, ceux qui ont fréquenté la closerie, Jarry, Apollinaire, Hemingway, Fitzgerald, Miller, Pound, Gide, Breton, Éluard, Man Ray, Van Dongen, Picasso, Beckett, attendant tous l'examen de leur cas par l'inquisition post-humaniste, ces écrivains et artistes infiniment suspects de machisme, colonialisme, pédophilie, arrogance blanche, fascisme, vision négative de l'être humain, qui se souvient donc que cette station a été le cadre d'un attentat, une bombe posée par des islamistes algériens le 3 décembre 1996, a tué 4 personnes et en a blessé 80 autres. Davantage, qui se rappelle ce que fut Port-Royal, la maison de Paris, qui s'élève tout près de là, et celle des Champs, dans la vallée de Chevreuse, non loin d'un des terminus de la ligne B du RER. Moins ignorant, peut-être, de l'histoire de France, les terroristes musulmans n'avaient-ils pas choisi cette station pour ses harmoniques historiques, tout comme, quelques mois plus tôt, le 25 juillet 1995, celle de la station Saint-Michel. Port-Royal est aujourd'hui un nom dans lequel plus rien ne s'entend. Surdité générale à l'histoire de France, à son histoire littéraire et religieuse, surtout. La propagande relativiste tentant de nous convaincre que le royaume sénégalais du Fouta Toro ou le Khanat mongol de Tchagatai est aussi important que le siècle de Louis XIV. Et le nom de Pascal n'éveillant pas grand-chose dans le peuple du RERD, comme on pourrait appeler l'échantillon d'humanité dans lequel j'hésite à me trouver ce soir. C'est pourtant en songeant à Pascal, dont la pensée permet de questionner le monde contemporain, que je décide de ne pas descendre sur le champ dans le RER. Il fait beau, étrange expression, en un temps où la météo est devenue la bavarde sibylle d'un monde dévasté par la pollution et le mensonge. La nuit n'est pas encore tombée. Je marche jusqu'à la station suivante, Luxembourg, à l'endroit où le boulevard Saint-Michel commence à descendre vers la Seine. Les poubelles débordent, mais les trottoirs sont larges et on évite plus aisément les monades au visage clos qui se déplacent en vélo, trottinette ou sur des roues automatiques, casquées, connectées à un sac à dos, dans un nuage de cannabis et de sous-musique internationale. Autant dire dans un monde parallèle et aliéné, celui de la glisse où l'esprit surfe sur soi-même. C'est le monde de Playtime, de Tati, revu par la bonne conscience écologiste et la philanthropie des milliardaires. On est loin du flâneur des deux rives ou du piéton de Paris, Apollinaire et Fargue à présent trop littéraires, tout comme Jacques Reda, l'arpenteur des ruines de Paris, ville où marcher en prenant le temps de regarder et d'écouter est devenu dangereux. Un peu partout, boulevard Saint-Michel, rue de Médicis, rue Gay-Lussac et dans tout Paris, j'imagine des mâts dont certains sont munis
d'affiches vantant le visage d'une starlette issue d'un atelier d'écriture où la littérature est prétendue accessible, en kit, au premier venu. La romancière marocaine, à présent devenue égérie de la post-littérature française par la grâce d'un prix que la République bananière des lettres octroie aux domestiques méritants. Un assez beau visage qui pourrait aussi bien promouvoir un parfum ou une ligne de vêtements, mais qui, en l'occurrence, promotionne un rôle écrivain iconique. Parce que femme et marocaine, dont puissamment minoritaire et si fortement engagée dans la guerre des sexes qu'elle, Leïla Slimani, m'avait attaqué dans Le Point pour avoir raillé une autre romancière à succès sous le seul prétexte que c'est une femme, prétend-elle. Et non parce que son livre, stylistiquement indigent, comme ceux de Slimani, relevé d'un consensus où le réel glisse sur l'esprit comme l'eau sur le plumage des oies. Plus de discussions ni de témoins dans l'ex-nation littéraire française. Tout point de vue contraire au grand consensus mondialiste est un outrage aux nouvelles mœurs, entraînant le bannissement des dissidents, la 17e chambre correctionnelle, etc. Dans le milieu médiatico-culturel tenu par les faux dévots, les désaccords ne relèvent plus du débat, de la polémique. Ils sont des faits de guerre entre les sexes, les ethnies, les races, les talibans de la pensée inversée et les tenants du bon sens. Impossible donc de suivre le vieux boileau qui n'hésitait pas à appeler un chat et un rat, un rat. À une époque où les antispécistes suggèrent de remplacer le mot nuisible par commenceau pour changer notre regard sur les punaises de lit et les rats. Les rats et punaises littéraires peuvent œuvrer en paix à l'inversion sémantique. D'ailleurs, nul ne sait plus qui est boileau. Si j'exagère, là encore, le très adulé Nabokov, dont la Lolita serait pourtant aujourd'hui impubliable, décrit ainsi le milieu littéraire français dans son ultime roman « Regarde, regarde les arlequins » dans les salles de conférences, dans les arrières-salles de cafés célèbres. Lors de soirées littéraires privées, je prenais plaisir à désigner à mon élégante et silencieuse compagne les divers monstres de l'enfer, les escrocs et les estropions, les nullités bonasses, les groupistes, les poires agurues, les pédérastes pieux, les charmantes lesbiennes hystériques, les vieux réalistes aux boucles grises, les nouveaux critiques brillants, illettrés, intuitifs. Le milieu littéraire d'il y a 90 ans n'est pas plus anachronique que celui que décrivait Balzac 100 ans plus tôt, dans Illusion perdue. Et il suffit de donner aux personnages de Balzac quelques noms d'aujourd'hui pour susciter les acteurs qui s'agitent sur la scène parisienne. Leïla Slimani pavoisait déjà au même mât pour un autre livre, il y a quelques mois en alternance avec un film post-apocalyptique où jouait Emily Blunt. Autre visage associé pour moi au premier confinement consécutif à l'épidémie de coronavirus, lorsque j'allais chaque jour visiter mon épouse à l'Institut Curie. Si bien qu'une sorte de lien se créait entre ces deux femmes dont l'une catholique bretonne était en train de mourir et l'autre jouissait de son statut d'icône de la France contemporaine. Et par contemporain, il faut entendre tout ce dont nous sommes l'exception, nous autres, par volonté ou par défaut. Le mot icône nous rappelant non pas le marteau de l'iconoclaste que nous laissons aux publicitaires par paillot, sans culotte, trotskiste, antiraciste, tiers-mondiste, zoolâtre, coache et islamiste. Tous regroupés dans la catégorie positive de l'humanitaire. Mais l'idée que, issue des colcauses éditoriaux, la post-littérature marque le triomphe du stade IKEA du roman en propagande, formaté par les logiciels romanesques ou la poésie sentimentale.
Qu'importe, d'ailleurs, ce que nous appelons le style n'a plus de valeur et réduit à une narratique politiquement correcte. Le roman est une chose insignifiante dès lors que l'actualité a remplacé l'histoire, les coulisses le drame et les programmes le réel. Le monde n'est plus qu'un ensemble de redéfinitions inclusives contre lesquelles l'écrivain ne peut plus grand-chose, pas même être maudit, puisque déconstruit et devenu le domestique de l'idéologie dominante, comme on disait lorsqu'il y avait encore un champ de bataille intellectuel, et que l'homme ne se réduisait pas à ses figurations minoritaires, pensais-je, en descendant dans la station Luxembourg du RER, avec le souci de retrouver un peu de réalité parmi les ruines de l'université, de l'universalité française. Oui, le vrai visage humain, et non Satan et ses suppôts narcissiques. La ligne B du RER traverse la capitale du nord au sud, depuis les plaines de Roissy en France jusqu'à la vallée de Chevreuse. Et elle constitue avec la ligne A, qui va d'est en ouest, et les lignes C et D, qui relèvent d'une autre transversalité, un puissant et rapide réseau de communication entre la ville et la banlieue, et surtout de la banlieue avec elle-même. Une sorte de rhizome, pour employer un mot valise de Deleuze. À propos de qui la clique médiatico-littéraire oublie que le philosophe tenait l'information pour la propagande d'une société de contrôle. Rhizome qui figure l'horizontalité d'un monde où l'être humain s'étend, s'étale, se liquéfie, se renie en tant qu'homme et créature de Dieu. Nous remarquerons, nous, que la ligne A et la ligne B forment une croix. Une croix abattue sur laquelle sont crucifiés chaque jour des millions de passagers. Je vois se lever des visages outrés. Qu'est-ce que cette histoire de croix à l'heure des autoroutes de l'information, du gender fluide, de la 5G, de la conquête de Mars? Méconnaîtrais-je l'utilité du RER qui relie le lointain au centre de la capitale? Ne suis-je pas, surtout, coupable d'une lecture catholique déplacée, voire de cynisme envers les passagers, pourtant mes semblables. La projection de la croix sur le monde est autrement intéressante que la sociologie de société en proie aux pandémies puritaines. On aura beau me représenter l'utilité du RER et plutôt que la croix, l'espèce de rose des vents que constitue ce réseau qui transporte les gens à tous les points cardinaux, et en cela très moderne car brassant la diversité de populations qui ne se rencontreraient pas ailleurs, ce réseau système veineux du futur Grand Paris constitue non pas l'extension de Paris et la banlieue, ce qu'un monde vertical eût pu créer, mais le devenir banlieue de Paris, comme le montre la population extra-européenne majoritairement présente dans le train. Le monde était appelé à devenir une banlieue sans fin. Et la vie n'existe plus qu'en banlieue, disait Cioran, dans les années 40. En un essai désabusé sur une France qui n'était déjà plus elle-même, pensais-je, dans le wagon où je prends place et qui roule vers le centre de Paris. Le cœur de Paris, aussi bien, et la vérité de Paris comme réseau subferroviaire est séduisante. Et on pourrait écrire sur le modèle de William Harvey, découvrant la circulation du sang au XVIIe siècle, un des motus cordis du réseau métropolitain parisien, dans lequel le RER figurerait le système artériel. Pourtant, ce que révèle la figuration cruciforme du RER, c'est la descente de l'homme en ses propres souterrains.
sa condition banlieusarde, la mise au ban de lui-même, dans la négation de toute histoire spirituelle et nationale, sa chute dans la cloaca maxima, post-ethnique, le cloaque d'incertitude, ayant retrouvé son élément naturel, pourrait-on dire encore avec Pascal. Je suis à peu près le seul blanc dans le wagon. Les noirs, ils sont majoritaires. Il y a aussi des Pakistanais, tamouls, asiatiques, quelques métis, tous visage clos, nul masque chirurgical, ne pouvant cacher la froideur ni l'indifférence des regards. Dans l'épais remugle dont le tissu peine à me protéger, la ligne B étant, comme la ligne 13 du métropolitain, la plus malodorante, la plus sale, avec ses relents de kebab, friture, ail, sueur, tabac, cannabis, parfum médiocre. Les deux autres blancs du wagon sont peut-être des touristes qui gagnent l'aéroport Charles de Gaulle, terminus de la ligne. L'atmosphère est tendue, et pas seulement à cause du coronavirus. Comme dans tous les pays où le multiculturalisme est devenu doctrine d'État, avec l'idéologie antiraciste et l'ensemble des phobies contre lesquelles le bien se mobilise, chacun surveille les autres. En une logique de parcellisation post-identitaire dont le RER est l'opérateur. La paranoïa gouverne les sociétés post-modernes, peut-on dire. Avec Céline, et c'était un médecin qui parlait, outre le chroniqueur d'un monde qui était déjà le nôtre, sur le plan de la chiennerie et de la littérature, chromo. Comme il écrit dans ses entretiens avec le professeur Y, il y annonce la littérature selon Slimani et consorts, reprochant aux écrivains de n'avoir pas réagi devant le cinéma, pour se contenter de perpétuer les vieux académismes. À quoi ils ont seulement ajouté un peu, beaucoup de pédératie, des kilos de ficelles policières, pour se rendre gardien comme il faut. Freudien comme il faut. Indique comme il faut, mais toujours en chromo. Tout ça. Si bien que c'est le cinéma qui, en effet, a dévoré le roman et surtout le style. Les livres les plus socio-psychosexuels relevant toujours du stade Annie Cartland et Barbara Ernaux de la littérature. Le chromo fabriquant ses indiques, ses commissaires politiques et faisant en sorte que presque tous les professeurs ont un petit Goncourt qui marine à la NRF, dit encore Céline qui aujourd'hui remplacerait professeur par femme et NRF par atelier d'écriture. Lesquelles femmes tiennent l'édition et le roman, après avoir pris le pouvoir dans l'enseignement public, tout ce lieu où s'accomplit la déchéance de l'esprit, de la mémoire, puisqu'on y enseigne à ignorer la langue qui servira à l'écriture de romans qu'on ne publiera que pour qu'ils ne soient pas lus. On conçoit mieux que Claude Edmond de Magny, dans sa belle lettre sur le pouvoir d'écrire adressée en 1943 à Georges Samprin, ait envisagé d'écrire un pamphlet « Les femmes contre la littérature » dans lequel elle eut dénoncé les ravages qu'ont exercés dans les lettres les personnes de son sexe. Quant aux Chinois, dont Céline prédisait l'invasion, je les ai en quelque sorte sous les yeux, dans ce wagon de RER où chacun peut se clamer tout à la fois victime et heureux de son origine raciale, géographique, sexuelle. De là que la réalité se devait d'être officiellement rendue invisible sur le plan littéraire et journalistique, pour peu que ce ne soit pas la même chose, perdu dans les mots, égaré dans la nuit multiethnique, expulsé de soi, voilà l'homme du RER, l'homme d'un souterrain plus infernal encore que celui de Dostoïevski,
une des premières figurations de l'être en proie à cette maladie de foi qu'est l'existence moderne, qui a renié Dieu, tout comme la paranoïa est le révélateur d'un communautarisme déguisé en multiculturalisme et aussi en maintes orientations sexuelles, soit la perte, en vérité, de l'orient véritable qu'est la division naturelle des sexes. Quoique connecté, irradié d'informations, conditionné, stupéfié par la pub, l'homme du souterrain n'est plus que le contemporain de son déboussolage, évacué du réel et, disons-le, avec Jean-François Mattei, dévasté. Dans le remugle du RER, c'est à une mauvaise digestion qu'on assiste, une indigestion même, car ce n'est pas un peuple que nous avons sous les yeux, mais des spécimens d'humanité égarés dans ce gros intestin qui n'en digère pas le mélange, mais dont l'acide gastrique sent plus fort que le liquide de freinage du train. Quelque chose contre nature, politiquement et spirituellement. Outre le mensonge par lequel le plat est présenté, en anglais, bien sûr, et donc froid, ce qui suffit à révéler l'imposture comme pour la World Food ou la cuisine fusion, dont raffolent les immigrationnistes, les bobos, les antispécistes, les véggies. Voyager sous terre suppose une maîtrise de soi qui invite à ne rien voir. Rencontrer les yeux d'autrui, là, c'est s'exposer à la racialisation du regard, donc au danger d'une guerre qui devient civile dès qu'on reconnaît l'autre pour ce qu'il est, dans la vérité de son identité raciale, ethnique, religieuse, sexuelle, le plus souvent hostile, et aussi dans son ombre, et non dans un universalisme dont l'humanisme n'existe plus que dans le fantasme onusien ou à la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ces conditions, on ne peut que regarder dans le vide et ajouter l'aveuglement à la servitude volontaire, à ce périmètre identitaire, à cette altérité barrière, à la monade narcissique qu'il demeure. Malgré les injonctions au métissage total, l'individu ajoute le périmètre aliénant de la sous-musique industrielle qu'il écoute au casque, à quoi il faut ajouter les effets du cannabis en voie de dépénalisation qui couronne le devenir zombie récréatif de l'aliéné. Le train entre en gare de Saint-Michel-Notre-Dame, comme l'annonce le haut-parleur du wagon. Nul passager ne lève la tête ni n'entend, là non plus, la charge sacrée de ce double nom dont on ne doute pas qu'un jour une commission de réévaluation onomastique de l'espace France ne le trouve exagérément catholique, donc discriminatoire envers les autres, sensibilité religieuse, ni qu'il soit remplacé par un nom plus consensuel, comme c'est déjà le cas dans le département voisin, la Seine-Saint-Denis, où le nom du département pose problème, lui aussi, pour le genre de population qui y réside, et où ont été imposés des patronymes du martyrologe, politiquement correct, hôpital Avicenne, lycée Angela Davis, collège Iqbal Massi, en attendant Abdelkader, Arafat ou les activistes islamistes Malcolm X et Mohamed Ali. Un territoire travaillé autant par les salafistes stipendiés par l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie que par les services américains qui viennent repérer dans les quartiers ex-défavorisés, ex-sensibles, le mot de quartier, employé absolument, s'efforçant d'effacer le nom même de la banlieue et par conséquent celui discriminatoire de centre. Les éléments de la diversité raciale, c'est-à-dire essentiellement noirs et musulmanes, pour les envoyer dans les universités yankees, nous leur reviendrons soutenir en France et en Europe les intérêts de la mondialisation et achever la fragmentation des vieux pays. En attendant,
ils peuvent parier sur l'ignorance et la veulerie générale. Bien que cette station, qui ne s'appelait alors que Saint-Michel, est, redisons-le, connue elle aussi, en 1995, un attentat islamiste. 8 morts et 200 blessés. À peu près disparus dans la mémoire nationale. Le nom de Notre-Dame s'y est ajouté, anticipant l'incendie de la capitale, 25 ans plus tard, laquelle continue à brûler au cœur d'une France ravagée par l'inculture qui laisse Notre-Dame s'effacer comme texte spirituel et littéraire, et par une immigration de plus en plus hostile au catholicisme et à l'esprit français, et qui ne rencontre que l'indifférence des autochtones déchristianisés. Encore un signe de la mainmise de Satan sur le monde, l'archange Michel et la Vierge Marie assignés à la surdité des syllabes qui les nomment. Sous terre, dans cette station dont le niveau est inférieur à celui de la Seine, sous laquelle le train passe en me donnant l'impression d'être descendu plus profondément encore pour atteindre sinon le centre de la terre, du moins le Shéol. Je continue mon chemin parmi ces gens qui pourraient être la lie du peuple si c'était vraiment un peuple et que sa lie n'eût pas disparu en même temps que le prolétariat, les aristocrates, les empires, le tiers-monde, les classes sociales et les niveaux de langage, les échelles de valeur, l'esprit critique, le français moyen lui-même reconverti en petit bourgeois planétaire, bien loin de l'homme ordinaire cher à Chesterton, lequel n'est ordinaire que dans la mesure où il obéit à l'extraordinaire de l'incarnation christique qui le place dans une histoire paradoxale et parallèle à l'insignifiance de l'événementiel, dans la vérité de la parole, plutôt que dans l'empire du bien qui n'est que la laïcisation perverse de valeurs chrétiennes. Le néo-français est à présent sans mémoire et accepte d'être remplacé de toutes les façons, comme fait national et comme européen, et même en tant qu'être humain, sa foi en Dieu depuis longtemps diluée dans l'eau tiède de Vatican II, et sa culture soumise à la sous-culture BD, polar, pop, rap, hip-hop, série TV, junk food, shit, cristal, crack, LGBT, droits humains, New Age, l'ensemble de cette substitution ayant lieu en un français de plus en plus hanté par le globiche, dans lequel il s'agit de vivre sa life au sein d'une humanité qui n'est plus qu'un préjugé animal, comme l'enseigne la propagande by Libération. Cette entourloupe œcuménique qu'on appelle la modernité multiculturelle et qui entend me faire renier 3 millénaires de culture, j'en vois donc l'envers, c'est-à-dire la réalité sous terre parmi les étrangers avec lesquels je voyage et que le multiculturalisme maintiendra à jamais dans leur étrangeté. Le statut de minorité est particulièrement enviable aujourd'hui dans les sociétés où le victimisme à remplacer le dolorisme catholique et les quotas raciaux et sexuels le mérite personnel. En préférant la couleur à l'universalité du mérite, la discrimination positive et le surjon racial inversé de l'idéologie nazie en terre démocratique. Ces gens avec qui je n'ai aucune communauté de destin, je les quitte à Châtelet-Léal que, vu la composition ethnique de la station, un ami banni par le parti dévot surnomme Châtelet Halal et que je surnommerai, moi, Châtelet Haram, un double nom guère plus éloquent pour les zombies peuplant les quais
que ceux de Port-Royal et de Saint-Michel-Notre-Dame, personne ne sachant ce qu'était le Châtelet, anciennement forteresse détruite sous Napoléon Ier, et où Clément Marot avait été enfermé, nul ne lisant plus Marot, dont Boileau recommandait la lecture dans son art poétique, qui constitue la colonne Trajane du classicisme. Boileau lui-même n'étant plus lu, faut-il le dire. Pas même son épatant dialogue des héros de romans, qui se situe dans les enfers, où Pluton et Diogène se moquent des Chromos silmaniens, le Clésiesque et Ernusien de son époque, soit les romans précieux, dialogues dont l'ironie trouvera des échos deux siècles plus tard dans les poésies de Lautréamont où le poète brocardait les écrivassiers de son temps, et puis au siècle suivant dans les non moins jubilatoires entretiens avec le professeur Y de Céline, des textes où les grandes têtes molles et les mauvais auteurs sont appelés par leur nom ou désignés dans leur anonyme multitude, dans le crépuscule français où la littérature ne nomme plus rien et où la gestion du déchet littéraire inquiète autant que celle du plastique. Presque tout le monde ignore aussi ce qu'étaient les Halles que j'ai vu détruire en 1972 derrière des haies de CRS qui tenaient à distance ceux qui s'opposaient à l'ouverture du ventre de la capitale et à l'édification de ce monde souterrain dont la lecture du livre des morts égyptiens pourrait nous donner une clé. Tant il paraît évident que nous sommes devenus, nous qui voyageons sous terre, les passagers d'un autre monde. Dante serait là aussi un bon guide, dont une traductrice hollandaise de la Divine Comédie a cru devoir effacer le nom de Mahomet pour ne pas blesser inutilement les lecteurs, reconnaissant que sa décision a été prise à la suite de l'assassinat par un musulman tchétchène en France de Samuel Paty, lequel ne cessera donc de mourir dans l'effacement à quoi se livrent les collabos du nouvel ordre mondial. La place du Châtelet, rivette, l'a donné à voir en 1958 dans Paris nous appartient, son premier film, et on pouvait encore dire avec Peggy, cité en épigraphe, que Paris n'appartient à personne, pour mesurer ce qui nous sépare d'une ville qui était encore habitable, quoique déjà traversée de personnages en proie à des peurs nées d'une volonté de mainmise sur le monde et dont la guerre d'Algérie ou le maccartisme serait la métaphore. Paris est aujourd'hui en voie de muséification et de privatisation, comme la ville de Vendôme dont l'image vient d'être achetée par Louis Vuitton. Les mêmes puissances sont à l'œuvre, mais ne peuvent plus être nommées fascistes ni communistes. Il s'agit plutôt d'un envoûtement général, pour parler comme Artaud, dont la photo figure chez Rivette dans la chambre d'un Américain exilé et qui, plus encore que les autres, sait que le temps est proche où ce monde entièrement inversé, corrompu, finira et que nous devons nous efforcer de trouver des êtres réels et vivants dans le vrai monde. Tout comme nous, à qui Paris n'appartient plus et qui sommes dépossédés de nous-mêmes. La fin des Halles a été un événement considérable dans la destruction générale de Paris à l'ère pompidolienne. Un événement non isolé puisque, deux ou trois ans plus tard, le social-démocrate Giscard d'Estaing autorisait le regroupement familial pour les travailleurs immigrés, main-d'œuvre principalement musulmane dont la présence allait altérer considérablement la population même de la France, la physionomie d'un peuple en des temps troubles, changeant plus vite encore que le cœur d'une ville, pour parler comme Baudelaire, grand poète de Paris, avec Balzac
et quelques cinéastes. Le cœur humain, lui, battant étrangement dans les morts-vivants qui errent sans rien voir. Destruction de Belleville, du quartier de la Place d'Italie, du plateau Beaubourg, de la gare Montparnasse et des Halles. C'est le ventre de Paris qu'on a débarrassé des pavillons de Baltard, puis ouvert, éviscéré. L'ancien cimetière des innocents, dont on trouvait par terre des ossements, dégagé pour bien marquer qu'on entrait dans un monde où l'innocence n'aurait plus que la figure grimée du consommateur, le carreau des Halles devenant le trou des Halles. Et demeurant longtemps ainsi dans les mémoires avant d'être comblé par ce qui deviendra le forum des Halles, tandis que le ventre de Paris subissait une descente d'organes, l'évocation tout à la fois précise et lyrique qu'en avait donné Zola, demeurant l'unique témoignage de ce que pouvait la littérature avant que le cinéma ne l'oblige à revoir son statut. Lequel cinéma témoigne fort peu des Halles, sauf en 1956 dans « Voici le temps des assassins » de Duvivier, qui avait donné quelques années plus tôt « Sous le ciel de Paris ». Titre rimbaldien pour un film noir où chante Germaine Montero et, avec elle, un état de la langue française à présent perdu, comme l'est aussi la langue que parlaient les personnages de Rivette. Aujourd'hui, tous morts. La langue française également moribonde de n'être plus enseignée pour autre chose que la communication. Le film du Duvivier montre aussi un paysage de banlieue, Lagny-sur-Marne, soit le Cochon-sur-Marne de Blois, écrivain qui, devant l'islamisation de l'Europe et ses fourriers littéraires, continuerait à vomir les eaux du ciel, comme disait de lui Barbey d'Aurevilly. Tous deux personnages impossibles aujourd'hui, où le lecteur vit dans un monde régi par un mensonge qui se ment à lui-même. L'ancien carreau des Halles n'a été remplacé par rien, sauf en bordure par quelques bâtiments d'un modernisme typique du kitsch des années 70 et bordant un jardin qui porte l'idéologique nom de Nelson Mandela, lequel finit d'effacer la mémoire du lieu. L'église Saint-Eustache semble presque incongrue dans ce no man's land. Des bâtiments déjà détruits pour laisser place à une canopée en fibre de verre verdâtre, assez semblable, malgré ses prétentions écologistes, à un hall d'aérogare provincial. Elle abrite l'entrée du Forum des Halles, centre commercial récemment rebaptisé du nom international de Westfield, le reste du territoire demeurant l'un des plus dangereux de Paris. Si bien qu'il est impossible de suivre Zola lorsqu'il disait que les nuits des Halles sont douces pour le vagabond. Oubliez d'ailleurs Zola, Duvivier, Rivette, et même l'iconoclaste Marco Ferreri qui, en 1974, un an après La Grande Bouffe, avait tourné dans le trou même des Halles un film évoquant, sur le mode dérisoire, le massacre des Indiens par le général Custer, mais dont le titre, « Touche pas à la femme blanche », était autrement prophétique. Quoique, par antiphrase, pas une affiche aujourd'hui où ne figure un noir avec une blanche, l'inverse étant plus rare, car suspect de domination postcoloniale, tout comme le serait un blanc avec une arabe ou une asiatique, combinaison moins prisée par la propagande publicitaire. Remarquons que ces couples sont toujours beaux, alors que dans la réalité ils sont assez dissemblables, les migrants en quête de papier se contentant d'occidentales moches ou sur le retour. Les autres migrants étant des touristes sexuels qu'un irénique démographe
n'hésite pas à décrire comme effectuant un voyage initiatique. Car il s'agit bien de toucher à la femme blanche, de dissoudre le blanc dans le métissage général, suggèrent ces nouveautistes qui chient des idées, comme le dit encore Céline, et qui, après avoir prôné le métissage culturel, se retrouve devant sa fatalité raciale. Sans compter les conversions religieuses qui entrent souvent en conflit avec l'échangisme idéologique qui perturbe le narcissisme communautaire. Quant aux conflits qui en naissent, je me rappelle un irénique québécois à qui je représentais la possibilité que son peuple, depuis toujours menacé par la marée noire anglophone, disparaissent dans une masse migratoire non francophone et qui voyait dans les tensions entre communautés halogènes et canadiens, français, un signe de bonne santé nationale. Il est vrai que dans l'abjection politiquement correcte, le Canada est tout à la pointe et que seul un pays qui n'en est pas tout à fait un peu pour le représenter à l'international, nommé ministre des Affaires étrangères ainsi que porteur de barbe et de turban, de la même façon que la propagande somme l'Amérique de ressembler à la vice-présidente Kamala Harris, présentée comme moderne parce que noire, femme et chef d'une famille recomposée, recomposition qu'il s'agit d'étendre aux nations tout entières. Encore que nul n'ose se demander ce que serait un monde où toutes les races et ethnies fussent mélangées par le sang plutôt que dans l'universalité d'une culture supérieure. Une humanité définitivement intégrée et dépourvue de clivages visibles, et donc de revendications légitimes. Les derniers cathares de l'esprit étant appelés sur le bûcher de leur vanité ou relégués dans la forêt de langues désormais inaudibles. Il est remarquable que dans le régime publicitaire de la propagande post-raciale, les autres combinaisons racialo-sexuelles ne soient pas envisagées. C'est bien au blanc qu'on en a, et c'est le noir qui conquérera sa fierté en le faisant déchoir de son privilège et de sa race. Les métis étant appelés à sauver l'humanité, murmure au bas du monde la propagande qui entend aussi régir la sexualité et, plus largement, tous les champs culturels. L'adepte des jeux vidéo, de yoga ou de surf, revendiquant sa culture au même titre que l'amateur d'opérette, le zoophile ou l'islamiste de base. L'islam est, comment l'oublier, la religion dominante. Sur le quai où je suis descendu, au cinquième sous-sol du gigantesque hypogée constitué par la gare du RER et au-dessus par les étages du centre commercial, 33 millions de voyageurs se croisent là chaque année, soit à peu près autant que les visiteurs des 150 boutiques du Forum des Halles, que Flaubert me pardonne ce triple génitif. Des nombres qui ne disent bien sûr rien de la population qui va et vient dans les deux derniers sous-sols, cercle de l'enfer contemporain et nœud de ce grand collecteur qui fait se croiser là. 3 lignes de RER et 5 du métropolitain. Je ne crois pas aux chiffres, les statistiques étant comme les sondages par exemple, la face avantageuse de la propagande. De la même façon que la science a remplacé les abstractions divines par une sorte de théologie négative où Dieu est le trou noir de la pensée. Le nombre, l'innombrable surtout, est un attribut de Satan. Platon dans la République, livre hanté par l'idée de justice et où les femmes ne sont pas jugées indignes du politique, rappelait son horreur de ce qui dégrade l'un dans le nombre. Le personnel politique est médiocre, vulgaire, inculte, des fantoches entre les mains des milliardaires. La littérature peut-elle être autre chose à présent qu'une chronique de cette dégradation, de cette déchéance ? Au cinquième sous-sol, nous sommes dans
l'innombrable, dans l'innommable aussi bien. Les ondes des téléphones ont du mal à atteindre ces profondeurs, où le silence est troublé par le bruit des pas, des voix, des annonces en plusieurs langues, et trop fort, comme dans un parc de loisirs ou un camp de concentration. Le parc humain est là, multiple, remuant, parfaitement lisible en sa concentration fétide, d'où vient que je m'y sens humilié. Et les autres ? Est-ce de côtoyer le rebut de la société moderne qui, ayant décrété les races scientifiquement obsolètes, les voit revenir sous forme idéologique, dans le ressentiment racialiste ? Mais ne suis-je pas moi-même au rebut sur le plan éditorial et médiatique ? C'est donc plutôt le fait d'avoir à partager avec des Français qui ignorent qui ils sont et des immigrés extra-européens qui ne veulent pas être français, autrement que sur le plan administratif, une condition souterraine, aliénante et une absence de destin commun. Nul ne désirant, moment historique inédit, en un temps de paix officielle, être le compatriote d'un autre, qui le méprise ou le hait d'être devenu français. Je ne m'attarde pas. Il faut monter un étage pour redescendre sur le quai de la ligne A. Et donc passer par le quatrième sous-sol, la salle d'échange, qu'on aurait pu appeler, dans un meilleur français, salle des échanges. La phrase officielle suggérant plutôt que ce qui s'échange là, c'est pour dire, comme les décideurs mondialistes, du matériel humain. Cela pourrait ressembler à une grotte chauvée de l'inhumanité. C'est plutôt la caverne de Platon, à ceci près que le monde extérieur n'est pas moins ombreux que le monde souterrain. Je cherche un coin où prendre des notes, mais on est condamné à passer, sauf si on s'assoit, entre des éclopés sur le socle d'un médiocre groupe de statues énergie dues à Trémoi, plus connu comme graveur et illustrateur. Statue que nul ne regarde comme une œuvre d'art, mais plutôt comme du mobilier urbain, resté debout en prenant des notes dans un carnet, puisse évoquer un téléphone mobile, que je n'ai pas une tête de djihadiste, pensais-je, en songeant que ce jour-là, dans cette dangereuse salle d'échange migratoire qui est devenue le monde, une gynécologue afghane a été tuée à Jalalabad par les talibans et 8 personnes blessées par un réfugié afghan en Suède dans une attaque au couteau. Nul ne reste d'ailleurs immobile dans cette salle où l'écrivain véritable aujourd'hui est plus suspect qu'un dealer, lequel sera d'ailleurs bientôt réhabilité par le programme d'inclusion générale. Pas certain que Zola, vertueux progressiste, serait libre d'écrire les Rougons Macquart. Même sous ce titre, les Ducons Boubacar, histoire ethnique et culturelle d'une famille recomposée sous l'Empire du Bien. Ni même en un ludique plagiat. Le plagiat, ce frauduleux qui rassure le monde, disait Céline. Sachant que les procureurs littéraires sont pires que ceux du Second Empire, puisqu'ils dissuadent de voir, donc de témoigner, les écrivains ne demandant d'ailleurs qu'à croire aux mensonges qu'ils ébruitent et dont ils sont récompensés par des prix littéraires qui finissent par faire d'eux des médaillés soviétiques. Qu'y a-t-il donc à voir dans cet immense parallélépipède au dallage gris
dont l'éclairage au néon provient de petits rectangles de verre au plafond, avec, de part et d'autre, des magasins minables, Marc et Spencer, pour les coulis et marchands d'épices de l'ancien empire britannique, et des boutiques de fripes et de mauvaises viennoiseries dont l'odeur se mêle à celle des corps en mouvement. Oui, que voit-on là ? Sinon l'échangisme ordinaire d'une métropole en travail d'elle-même et qui, dans cette hypogée du genre humain, accouche non pas d'un peuple, mais par synecdote multiethnique d'une nouvelle version de l'humanité. Comme le proclame le gauchisme culturel, qui trouve dans ce crime civilisationnel une façon de croire en sa propre innocence. Une version que peu d'écrivains et de philosophes contestent aujourd'hui, le système incluant sa propre contestation dans le programme de relecture du champ culturel européen déconstruit. Orwell et Cioran en bande dessinée, Céline et Debord devenus légendes urbaines, Lyotard, Baudrillard, Girard désamorcés à Sciences Po, et aussi illisible que la figure de Guevara sur le t-shirt d'un ado inculte. Sans que personne puisse imaginer un monde qui dépassa en génie la civilisation occidentale. Ce monde, j'en ai devant moi la version ténébreuse, la débâcle intestinale. Je regarde de tous mes yeux, écoute, sens, devine. Dénombre les races, ethnies, types, nationalités, sexes. Tout ce qui constitue le non-peuple français dans sa dissolution et sa migration métastatique en une population parallèle, idéologiquement recomposée par les diktats mondialistes, conglomérat liquide en lieu et place d'un peuple quasi liquidé dans l'impossible digestion d'éléments rendus hétérogènes par le refus de l'assimilation républicaine, panique cellulaire, métastases avancées, qui font se côtoyer négresse blonde et blanc à dreadlock, faux clandestins, prédateurs sexuels, jeunes filles aux cheveux bleus ou oranges, noirs d'Afrique et métis des Antilles, pakistanais, tamouls, maghrébins, égyptiens, kurdes, comoriens, érythréens, mineurs isolés, trentenaires, malgaches à faux col, maltais sans faucon, asiatiques pressés se conformant aux clichés attribués à leur race, jeunes filles en précarité menstruelle, hit girl évaporée, ados en rébellion vestimentaire, homo timide, lesbiennes militantes, filles en hijab, hijab sans femme, quadra inquiet, africaines en boubou ou en anorak polaire, anorexiques dévorées par leur propre regard, obèses prêtes à chanter la Traviata, roms dont les yeux furettent partout, quinquas déclassés, chômeurs, post-chômeurs, retraités à demi hallucinés, jeunes rappeurs et vieux rockers, tchétchènes roux en quête de gorge offerte à l'acier purificateur, japonais décolorés, petite prostituée chinoise, femme de ménage macédonienne, moldave, roumaine, transnistrienne. Et puis, le vieux mélange de méditerranéen catholique et de luthérien du Nord, militant du PSG en maillot Fly Emirates, vierge, demi-vierge, vierge folle, arborant des t-shirts dont le poitrail donne à lire Panic Room ou Don't touch. Vierge recomposée pour mariage islamo-végan. Nubien à tête d'Anubis. Cato de gauche, catalan. Et bouddhiste, flamand. Imam furieux. Lubavitch pressé. Bobo en chèche avec sa copine desséchée. Improbable adepte de l'église de Scientologie. Et un autre de Hare Krishna.
toxicomane se grattant le ventre en guitare héros. Autre toxico grattant sur son cou les effets de la junk food, Coca, McDo, Libé. Jeune américanisé, musulmane ravie que le Covid leur permette de se voiler la face. Vieillard rajeuni par une casquette de baseball, bodybuilder BA. Fausse famille syrienne mendiant en roumain, nain qui se hausse du col. Géant inclinant le buste. Prêtre en civil fuyant l'accusation de pédophilie. Intellectuels suspects d'inceste sur leur chien ou de viol sur le hamster de leur belle-fille. Comédien has-been, peut-être le fantôme de l'opéra. Djihadiste de retour de Raqqa pour faire son coming out sexuel. La barbe taillée chez Barbershop. Exhibitionniste tatoué jusqu'au cou. Turc inconsolable de la fin de l'Empire ottoman. Suprématiste afro-français. Authentique français se chamaillant en verlan. Deux clochards et leur version rajeunie en SDF connectée. Punk écrété. Sourd-muet conversant par signes. Vigile sûr d'eux-mêmes et délinquant non moins arrogant. Un jeune poète qui sait qu'il mourra de ne pouvoir être ce qu'il est. Et les papous, dirait Céline, n'oublions ni les papous ni les pygmées, non plus que les esquimaux qui, s'ils ne sont pas visibles, sont appelés à figurer dans le grand collecteur par le vent d'inclusion générale. Le souffle de l'humanité, ici présent, n'étant pourtant qu'une veste idéologique, une foirade qui refoule l'autre dans le même. Et celui-ci, dans ses indigestes répliques, dont le réseau ferroviaire est la métaphore. C'est-à-dire ce qui, littérairement, la transporte. Dans le ventre de Paris, le peuple français n'a plus de visage, comme s'en étonne de plus en plus d'étrangers qui ne reconnaissent plus là le français. Ce produit d'un équilibre millénaire entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, et dont la langue avait fini par donner au visage ce je ne sais quoi qui distinguait le français des autres nations. Argument esthétique, suspect de xénophobie. L'Atanor culturel n'est-il plus qu'une impossible salade mixte? Comment ne pas y penser en ces souterrains séjours où la laideur est générale et révélatrice d'une aliénation dont on ne prend pas la mesure? Je ne porte nul jugement de valeur sur les races, les ethnies, les cultures extra-européennes, bien que j'en estime certaines plus que d'autres. Je m'insurge contre l'idéologie qui prétend faire coexister l'hétérogène le plus délétère en le présentant comme le destin ethnique, culturel et politique de la France. Alors que la population en transit intestinal ce soir à Châtelet-Léal n'a plus rien de français, ni même d'européen. J'ai entendu un libertin clamer son goût du monde souterrain de Châtelet-Léal pour la beauté des femmes noires qu'il y rencontre. J'ai aussi entendu une femme déclarer qu'elle ne prendrait plus le métro ni le RER s'il n'y avait plus de noirs. Le sexe idéologique. J'ai encore entendu des imbéciles rôter du Bourdieu et du Deleuze en s'extasiant sur la modernité du RER. Ce corps sans organes, lieu de transversalité, d'intersectionnalité même, qui laisserait dans le marégot national tout autre vision du monde, comme on disait autrefois, lorsque le monde était encore habitable, et le séjour un acte de foi ou de poésie, non un mot d'ordre planétaire.
ce qui circule dans la salle d'échange en même temps que le coronavirus et le mensonge. C'est ce qu'il reste de la décomposition des vieilles nations et des anciens empires. Les uns fatigués ou honteux d'être français parce qu'ils ne savent plus rien de leur propre histoire et balbutiant du néo-français. Les autres refusant de l'être parce qu'ils haïssent un ancien pays impérial et une culture naguère universelle. Ni patriotes, ni français. Ces franciliens hallucinés ou névrosés, transportés par Île-de-France Mobilité, pour parler le langage technocratique. Francilien est d'ailleurs un barbarisme. C'est insulo-français qu'il aurait fallu dire. Mais ce mot eût fait entendre l'épithète français. Bien sûr, insupportable aux minorités que le RER dispatche vers la banlieue, selon un schéma rhizomique qui, redisons-le, refuse toute forme de verticalité et d'héritage, excepté ce que la propagande présente comme devoir de mémoire, lequel rhizome est aussi une figuration de l'espace dit de Schengen, une entité territoriale supranationale où l'on peut enfin vivre sans frontières, dans la béatitude externalisée de la libre circulation d'individus et de peuples qui n'en sont presque plus. L'homme du RER, lui, est déterritorialisé, non pas comme un écrivain bobo qui vit entre Paris et le reste du monde, mais en tant que matériel humain vivant, lui, entre son pays d'origine et l'espace post-génocidaire de Schengen. Dans l'argumentation immigrationniste, cette humanité transitoire sert à revivifier des états-nations en péril démographique, tout en nourrissant un contre-récit national évidemment culpabilisateur, car inventé par le discours décolonial, qui entend aussi désaliéner les sexes en normalisant les pathologies sexuelles, par leur fantasme d'entendre encore le bruit de bottes des années 30. Les mondialistes sont plus que jamais dans le déni. Ce sont les bottes de l'immigration de masse qu'on entend partout et qui provoquent des situations explosives dès lors qu'on en arrive au paradoxe élevé en irénique et insupportable contradiction qui fait qu'un Tchétchène, un Turc, un Malien, un Algérien vit en France non seulement comme il le ferait dans son pays d'origine, mais contribue activement, utile des papiers français, à la décomposition de la France. Il faut toute la passivité des hommes politiques européens et la soumission de leur domesticité journalistique pour faire avaler ça à ce qu'il reste du peuple français. Au cœur de la capitale, le RER représente l'effondrement du Paris de Zola dans les Indes noires de Jules Verne, en une version retravaillée par un kolkhoz post-littéraire. Zola et Verne, deux écrivains progressistes, confiants dans l'avenir de la littérature et l'universalité de leur langue, mais que la confrontation avec les progressismes contemporains aurait dérouté. L'un et l'autre ayant entrevu certaines choses, mais non prévu les conséquences du progrès, le socialisme et la science, c'est-à-dire l'arc politique qui va de la rebellitude gauchiste au libéralisme le plus cynique, avec la science comme hypostase ténébreuse de la mort de Dieu, sont les facteurs de l'inversion générale des valeurs, au bénéfice du petit bourgeois planétaire genré, gentrifié, gatifiant. Nietzsche n'avait-il pas suggéré depuis longtemps que, même relooké en social-démocratie, le socialisme est le frère cadet et fantasque du despotisme agonisant dont il veut recueillir l'héritage. Ses aspirations sont donc réactionnaires au sens le plus profond. L'horizon bioéthique, en réalité le satanisme de l'eugénisme, de la GPA, de la PMA et de l'euthanasie, est l'ultime avatar d'un humanisme qui suggère d'exister hors de la vie elle-même, comme le font déjà les mélangistes, les transformistes, les antispécistes.
les chiropracteurs de toutes sortes. Dans le siphon où je prends des notes mentales résonnent régulièrement des mots d'ordre sanitaire et sécuritaire énoncés en un langage apocopé qui fait appel aux infos, aux applis, à la dimension acronymique et déréalisante de vérité toute faite dans ce siphon. Donc, je ne peux que constater l'impossible digestion voulue par le programme mondialiste qui nous amène les uns et les autres plus bas que terre, les immigrés et nous qui aimons le singulier plutôt que la diversité idéologique, la rigueur et non le cool, la joie et non le fun, le combat plus que le compromis et la soumission, le centre et non la circonférence, le cœur plus que le ventre, la dualité des genres au lieu des aberrations sexuelles, la hauteur plus que le bas, l'homme bien plus que l'animal, la beauté syntaxique plutôt que les métastases argotiques et les borborygmes babéliens. C'est exactement ce que Nietzsche, encore lui, dans « Par-delà le bien et le mal », avait deviné. Le premier à avoir parlé de la dégénérescence générale de l'humanité, son abaissement au niveau de ce que les rustres et les têtes plates du socialisme tiennent pour l'homme du futur, leur idéal. Cette déchéance et ce rapetissement de l'homme transformé en bête de troupeau, l'homme, comme ils disent, de la société libre. Ce devenir bestial d'hommes ravalés au rang de gnomes, ayant tous les mêmes droits et les mêmes besoins. C'est la chose possible, nous ne pouvons en douter.